Nous allons voir maintenant les caractéristiques de la prière. Avant de commencer la prière, il faut remplir les conditions de la prière. Les pieds doivent être alignés avec le corps. On doit regarder au niveau, à l'endroit de la prosternation. Donc il faut mettre une sutra, une protection. C'est une sunna très recommandée. Allahu Akbar. Donc il dit Allahu Akbar, il fait le premier takbir, takbirat al-ihram. Il met sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine. Et il peut aussi attraper avec la main droite le poignet gauche. Ensuite, il est recommandé de réciter l'invocation d'ouverture, celle qui vient de citer. Ensuite, tu dis al-isti'ada, a'udhu billahi minash shaitan rajim. La basmala, bismillah ar-rahman ar-rahim. Tu lis la sourate al-Fatiha. Ensuite, il est recommandé de lire un peu de Coran, comme lire sourate al-Ikhlas. Allahu Akbar. Ensuite, il fait le takbir, il s'incline. Il faut que le dos et la tête soient alignés. Les coudes ne doivent pas être pliés. Il dit Subhana Rabbi al-Azim. Et il est recommandé de dire d'autres choses. Par exemple, ce que Cheikh vient de citer. Et donc, pendant qu'il se lève de l'inclinaison, il doit dire Sami Allahu liman hamida. Donc, il dit Sami Allahu liman hamida pendant le mouvement. Et une fois debout, il dit Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, il fait le takbir, il se prosterne. Il se prosterne sur les sept membres. Et il dit Subhana Rabbi al-A'la. Et il peut rajouter d'autres choses parmi les choses qui ont été légiférées. Tu ne dois pas lever les pieds. Ou bien mettre un pied sur un autre. Il faut que l'intérieur des orteils soit sur le sol. Et il ne doit pas mettre les coudes sur le sol. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il s'assoit. Donc, lorsque les assises dans la prière doivent être comme indiqué. Sauf quand il y a plus d'un tashahoud, donc quand il y en a deux. Et bien dans le dernier tashahoud, il s'assoit ainsi. Il est interdit de s'asseoir de cette façon. Toutes les assises de la prière doivent être ainsi. Ensuite, il se prosterne une deuxième fois. Ensuite, il fait la deuxième unité de prière. Il se lève pour la deuxième unité de prière. Donc il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et il lit Sourate al-Fatiha. Allahu Akbar. Ensuite il fait le takbir, il s'incline. Subhana Rabbi al-Azim. Il dit Subhana Rabbi al-Azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Il se relève. Allahu Akbar. Il se prosterne encore une fois. Subhana Rabbi al-A'la. Il dit Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il se lève. Il dit Rabbi ighfirli entre les deux prosternations. Et il est recommandé de dire plusieurs fois Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ensuite, il se prosterne une deuxième fois dans la deuxième unité de prière. Il dit Subhana Rabbi al-A'la. Ensuite, il se lève, il s'assoit, il fait le premier tashahoud. Donc, il lit le tashahoud. Voilà, il lit le tashahoud. Donc si jamais cette prière-là, c'est une prière composée de deux unités de prière, comme Al-Fajr. Donc après le tashahoud, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin. Et ensuite il demande protection auprès d'Allah contre quatre choses, quatre éléments, contre le feu de l'enfer,
contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'Antéchrist, l'épreuve de l'Antéchrist. Ensuite, il fait le premier salam à droite et il fait le deuxième salam à gauche. Il ne bouge pas la tête de haut en bas en même temps qu'il fait le salam. Il ne bouge pas son corps entier, il n'y a que sa tête qui bouge. Juste avec la tête. Si jamais c'est une prière composée de trois unités de prière ou quatre, après la lecture du tashahhud, il se lève. Et là, lorsqu'il se lève, il dit Allahu Akbar et il lève les mains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il lit surat al-Fatiha. Allahu Akbar. Il s'incline. Subhana Rabbi al-Azim. سمع الله لمن حمده. Il se lève de l'inclinaison. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Se prosterne. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Se lève de la prosternation. رب اغفر لي. الله أكبر. Se reprosterne. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Et ensuite il s'assoit. Donc là c'est comme s'il faisait salat al-Maghrib parce qu'il a fait trois rak'a. Et donc, vous remarquez qu'il a fait passer le pied gauche sous le pied droit. Et donc là, il fait le tashahhud, le deuxième tashahhud. Il prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les quatre éléments qu'on a cités tout à l'heure. Et il est aussi légiféré de faire des invocations. Ensuite, là, on fait les deux salutations. والله أعلم